attention à tout le monde. Entrez. Je dis que entrez. Bonjour, madame. Kay Walaï, allez enlever les chaussures dehors. Comment sont ces gens? Je dis que allez enlever les chaussures dehors. Ça, c'est endroit sacré. On n'entre pas avec chaussures. À la gendarmerie, va enlever les chaussures dehors. Au commissariat, va enlever les chaussures dehors. J'allais coucher le marabout, va enlever les chaussures dehors. Allez enlever les chaussures dehors. Kawalai. Toujours, il y a les fous qui viennent et me dérangent ici. Kaya, ne touchez pas ce tapis rouge. Enlevez les pieds. Asseyez-vous là-bas, restez là-bas. Moi, je n'aime pas les gens, ils dérangent. C'est moi le plus grand malade ici au quartier, tout le monde, il me connaît. C'est pour ça que je suis un malade. Je vais prendre toi quelques petits exemples. Si demain on traverse un porte à gauche, à droite, avant on arrive, c'est toi, excusez-moi. C'est le chemin. On dit que malade dit toujours la vérité. Malade dit toujours la vérité. Au secours. Monsieur, moi, je n'aime pas quelqu'un, il va faire des ordres. Quand je vois toi, ton jeu, je sens que tu as les problèmes, je vais soigner toi. On va commencer par les visites. C'était moi, 5 000 francs. Donnez-moi le livre. J'étais 5 000 francs dans les marmites. Ce n'est pas moi qui prends, c'est les marmites. Je vois ici que tu avais beaucoup d'argent, après tu es tombé en faillite. Excusez-moi. Madame, tu es vêté. Je vois un homme ici à côté de toi, un peu gros, un peu mince, un peu noir. Il te sert, c'est trop histoire. C'est qui ici? C'est Fomungo. On dit que madame dit toujours la vérité. C'est Fomungo. Madame dit toujours la vérité. Et il faut voir là où il est venu construire et son bouteille. C'est à côté de mon bouteille. C'est fort mon goût. Il veut me tuer. Restez tranquille. On dit que madame dit toujours les vérités. Madame dit toujours les vérités. Kai! Je vois, on traverse une route, on traverse à droite avant, on va arriver chez toi. Excusez-moi. C'est le chemin. On dit que madame dit toujours les vérités. Madame dit toujours les vérités. Je vois une femme ici. Il est un peu gros. Il t'aimait beaucoup, hein? Mais pourquoi tu lui as fait ça? C'est Brigitte. Brigitte, est-ce que c'est toi qui as dit le nom? On dit que madame dit toujours la vérité. Madame dit toujours la vérité. Il voulait m'aimer. Mais moi-même, je lui ai dit, attends. Il voulait m'aimer. Est-ce que tu as encore 5 000 francs pour jeter dans les marmites? Avant, je vais continuer. Jeter dans les marmites, mon bras ne touche pas argent. Excusez-moi, tu es marié, 3 femmes, 2 enfants. Excusez-moi. J'ai 2 femmes. Kawalai, on dit que madame dit toujours la vérité. J'ai 2 femmes. Je dis qu'on dit que madame dit toujours la vérité. Madame disait la vérité, mais là, madame s'est trompée. Je dis que dire que madame dit toujours la vérité. Moi, je n'aime pas, tu vas faire des ordres, sinon tu vas partir, je ne vais pas traiter toi. Madame disait. Tu as 2 enfants, excusez-moi. Oui, l'autre est un fille, l'autre est un garçon. Alors, si tu as 2 femmes, tu as un enfant qui est une fille, n'est-ce pas? Il remplace les 3e femmes, ça fait 3 femmes. Il faut dire que madame dit toujours la vérité. Madame disait la vérité, mais essayez. Et c'est des femmes. Moi, je n'aime pas des ordres. Tu vas faire comme ça, on ne continue pas d'abord.
Jette argent à terre avant tu vas continuer. Avant tu vas expliquer ce que tu es venu. Yawa, explique-moi maintenant, qu'est-ce que tu as comme les problèmes? Je suis venu pour les problèmes de ma femme. Il y a aussi les problèmes de mes enfants. C'est eux qui m'ont mis dans ces problèmes. Quoi? Je suis venu te voir que, hé, madame, occupe-toi de mon état de santé normal. Je vais donner toi beaucoup d'argent. Je vais donner toi beaucoup d'argent, mais tu vas m'amener un petit quelque chose comme ça. Apportez-moi un coq blanc. Je peux amener celui du village ou bien celui de la ferme. Kaiwa, like. Je dis un coq blanc. C'est pour ça que je demande que celui du village ou bien si j'achète à la ferme. Ce n'est pas les coqs qu'on va manger dans les marmites. J'ai demandé un coq blanc. Tu es quand même un grand pour comprendre les coqs blancs, non? Madame, j'ai demandé que vous... Tu veux... Je vais prendre les coqs. Tu sais que je vais donner toi beaucoup d'argent. Ce n'est même pas compliqué. C'est ça que je veux. Tu vas apporter... Ce n'est pas compliqué. Tu vas apporter seulement ton petit... ton garçon. Il va t'accompagner ici, on va lui envoyer devant. Quel? Tu vas apporter ton fils. Donc, on va lui envoyer devant. Est-ce que le coq que tu me demandais, depuis que tu me demandes l'argent ici, reste tranquille. Tu voulais me parler et de quoi je n'aime pas mon enfant ici. Mon enfant. Je n'aime pas histoire. Donne-moi l'argent. Si tu commences, je vais sortir toi un serpent ici tout à l'heure. Tu vas sortir quoi? Je dis toi, je vais sortir. Ouais, sors les serpents. Si tu tous ici. Sors les serpents. Sors les serpents. Attends d'abord. Sors les serpents.